Trouver son rêve, ça a l'air facile comme ça, mais est-ce que c'est vraiment adapté à tout le monde? Aujourd'hui, je vais te raconter ma petite histoire. Il y a quelques années, je n'osais pas prendre la parole, je n'osais pas dire ce que je pensais. J'avais peur de ne pas être acceptée par mon environnement, mes collègues de travail, ma famille, mes amis. J'avais peur d'être rejetée. J'avais un job génial dans une entreprise, mais je sentais que je ne pouvais pas être 100% moi-même. Je ne m'autorisais pas à dire tout ce que je pensais, à donner toutes mes idées, parce que j'avais peur d'être rejetée, j'avais peur du regard des autres. Je sentais que ma créativité était bridée. Je me sentais au fur et à mesure de plus en plus inutile dans mon travail. Je sentais que je ne pouvais pas donner le meilleur de moi-même. À la longue, ça m'a coupée de moi-même. La vie n'avait plus de sens et j'ai fait une belle dépression. J'ai dû plonger pour pouvoir renaître à nouveau. J'avais le sentiment de devoir me faire toute petite, invisible. Je n'osais pas prendre ma place. Finalement, j'ai décidé de quitter mon CDI dans cette start-up et j'ai déménagé à Naples. Alors Naples, c'est une ville où on est obligé d'apprendre à prendre sa place, parce que si tu prends pas ta place, personne ne va te la donner. Depuis, j'ai créé ma société, j'ai décidé d'incarner qui je suis. J'ai senti que si je n'osais pas passer mon message, la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Tous les jours, je rencontre des épreuves qui voudraient m'empêcher de prendre la parole et de m'exprimer librement. Aujourd'hui, je ne peux plus me permettre de me censurer. Inspirer les gens à suivre leurs rêves et réaliser leur mission de vie, c'est vraiment ça qui m'anime. Ça me donne de la force, de la motivation, de la joie. Ça me donne envie de me lever tous les jours. Je fais des vidéos depuis plusieurs années maintenant. Mon visage s'est transformé. Ma vie s'est transformée. Je suis beaucoup plus souriante. J'ai beaucoup plus d'énergie. Aujourd'hui, grâce à toutes ces épreuves, je me sens d'autant plus forte et pleine d'énergie que plus rien ne peut m'arrêter. Si toi aussi, tu as vécu ça et que tu te reconnais dans mon expérience, j'ai créé un programme pour toi. On commence le 1er juillet. Tu as le lien en description de la vidéo. Si cette vidéo te fait penser à un ami, rends-lui service. Partage-lui. Merci.